Salut à tous, salut à toutes. Les courses hippiques, les amis. Les courses hippiques. C'est toute la journée, les courses. On va essayer de suivre 2-3 courses. Je vais mettre la chaîne Equidia en fond, derrière, avec un petit micro. Je vais regarder si le live fonctionne. Normalement, ça devrait être bon. Ça fonctionne. Un petit décalage ou pas, ça fonctionne? Voilà, c'est bon. Il y a un décalage, oui, il y a un décalage, mais bon, c'est pas grave. Alors, je fais des partages, les gars, j'arrive. J'arrive, les gars, je fais les partages. On va faire 2-3 courses ensemble là pour la journée. Bon, ben. Après le quintet, hein, on n'a pas fait le quintet ensemble, mais bon, j'avais fait une vidéo ce matin, donc. Attends, je fais les partages, j'arrive. Je vais mettre la chaîne Equidia en fond, les gars. Equidia.fr. Voilà, j'ai fait des partages. Je sais pas si ça va marcher, normalement c'est bon, mais normalement je peux regarder toujours la chaîne Equidia, mais je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font en ce moment-là. Ça fonctionne, les gars? Attends, je regarde si ça fonctionne, les gars. Je vais regarder si on m'entend bien tout ça. Attends, j'arrive. 2 minutes, 2 minutes. Je vais mettre un peu moins fort les courses. On est bon là. Là, on était. C'était laquelle ça? Attends, je regarde. Réunion 1, course 2. Bon. J'avais 10-13, 6-9 en simple gagnant placé. Ou 2 sur 4, 10-13, 6-9. Ou alors 15-9, 12-5 en 2 sur 4 couplé placé. Attends, on va regarder. C'est un pronostic sans trop te casser la tête. T'as 4 paris possibles pour les déchiffrer les courses hippiques. 4 paris possibles. Enfin, 4 séries de numéros. Voilà. Tu peux adapter 2, voire 3 formules de paris avec. Voilà. 2 normalement formules de paris avec chaque combinaison. Il y a une combinaison, tu peux adopter une troisième formule de paris. Avec 3, 4, 5 en simple gagnant placé et 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé, tu peux aussi adopter la formule. 2 sur 4. Avec As 6 2 7, tu peux adopter la formule
couplet gagnant, couplet placé, voire trio, voire 2 sur 4. Et avec 15, 9, 12, 5, c'est couplet placé, 2 sur 4. 3, 4, 5 et 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé, voire 2 sur 4. As, 6, 2, 7 en couplet gagnant placé. Couplet gagnant, couplet placé, voire trio, voire 2 sur 4. Et 15, 9, 12, 5, voilà, en 2 sur 4 couplet placé. Il y avait 6, 9 et 10, 13 qui me plaisaient bien là, en 2 sur 4. On a 6 qui est deuxième ou premier, je sais pas, il n'a pas une très forte cote. J'avais envie d'une belle cote là, entre le 9, le 8, je sais plus quoi là. En 6, 9 et 10, 13, en simple gagnant placé, 2 sur 4. Tu vois bien que c'est, ça paye là. Ah, tu vois, on est bien là en plus, 6, 9 et 10, 13. On est pas mal, on est pas mal. Même le 9 a une belle cote. Ah non, c'est le 15 qui est 5ème. Ouais, 6, 9 et 10, 13. Hein, tu vois l'arrivée? 2, 6, 10, 9, 15. Arrivée provisoire. Là, on va à Cagnes-sur-Mer. Bon, on choisit 4 séries numéros pour Cagnes-sur-Mer. Là, on est Réunion 3, course 5. Tu fais ça toutes les courses. Réunion 3, course 5. Donc, c'est 3, 4, 5 en simple gagnant placé, voire 2 sur 4. Voire couplet gagnant, couplet placé. Mais bon, c'est préférable de 3, 4, 5, couplet placé, voire simple gagnant placé. Avec les numéros 3, 4, 5. Réunion 3, course 5. Ou sinon, on fait 10, 13, 6, 9. C'est pareil, en simple gagnant placé. Simple gagnant, simple placé, 10, 13, 6, 9. Bon, il n'y a que 12 partants là, mais bon. On fait 10, 6, 9, 10, 6, 9 quand on s'appelait gagnant placé. Ou 3, 4, 5 en s'appelait gagnant placé. Ou alors 10, 6, 9 en 2 sur 4. Ou 3, 4, 5 en couplet gagnant placé, voire 2 sur 4. Ou sinon on fait 1, 6, 2, 7. 1, 6, 2, 7, voilà. En couplet gagnant placé, voire trio, voire 2 sur 4. Et sinon c'est 15, 9, 12, 5. Bon, il y a que 12 partants là, réunion 3, course 5, donc on fait 12, 9, 5 quoi, en 2 sur 4. Voilà, soit 12, 9, 5, soit 10, 6, 9, voilà. T'as 4 séries de numéros pour déchiffrer beaucoup de courses dans la journée. 3, 4, 5, ou 10, 13, 6, 9, ou là ici 12, 9, 5, ou alors voilà. 10, 6, 9, ou alors 12, 9, 5, 3, 4, 5, ou 1, 6, 2, 7. Voilà. T'as 4 séries de numéros pour déchiffrer beaucoup de courses, les gars. Beaucoup de courses. Je vais rester 5 minutes. Hein. J'ai juste le message à vous passer. Je vais rester 5 minutes. Mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Si t'as l'occasion de. Si t'as la liquidité pour tenter plusieurs paris, tant mieux pour toi. La possibilité d'avoir plus de chances de gagner. Si tu as la possibilité de jouer qu'un seul pari, tu n'auras pas trop de chances de gagner, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que les paris sportifs, les paris épiques, voilà, il faut quand même avoir de l'oseille pour, voilà, pour gagner, sinon tu ne pourras pas tenter ta chance comme tu veux, puis bon, bah, ça ne marchera pas, quoi. Ça sera trop juste. Quand le portefeuille est serré, tu vois, pour mettre de l'argent, c'est pas évident. Donc, plus ton portefeuille sera large, plus tu auras de l'argent et mieux ça sera pour tenter ta chance, tu vois. C'est ça les courses hippiques. Les courses hippiques, les jeux d'argent, c'est comme ça. Sinon, bah, tu fonctionnes. Si ton portefeuille est large, tu peux accueillir plus de tickets, donc tu peux tenter plus ta chance. Et bien, bah, tente ta chance avec les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant placé déjà. Avec 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé aussi, ou 2 sur 4. Ou 3, 4, 5 pour les courses de plus de 10 partants, tu peux tenter en 2 sur 4. Et sinon, 3, 4, 5, 10, 13, 6, 9, sinon A, 6, 2, 7, en couplet gagnant placé, voire 2 sur 4, voire trio, ça fait des beaux gains. Ou sinon, 15, 9, 12, 5, en 2 sur 4, couplet placé. Si ton portefeuille est assez large,
que tu peux tirer des billets pour miser ta chance, pour jouer avec la chance, tant mieux pour toi. Si t'as pas de quoi jouer avec la chance plusieurs fois, tu vas pas gagner grand-chose, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, hein, c'est les jeux. Hein. C'est des jeux de hasard, comme on dit, quoi. Et pour tenter le hasard, tu vois, il faut quand même beaucoup de liquidités pour tenter le hasard. Le jeu de hasard, ok, il est plus favorable si tu as 10 tickets ou 100 tickets, ou si tu peux miser toute la journée, tu vois, le hasard, il est plus favorable à te rembourser que si tu joues qu'une seule course, tu vois ce que je veux dire? Tu pourras pas tenter le hasard avec un seul ticket, tu vois ce que je veux dire? En équivalent, si tu tentes le hasard avec 100 tickets ou un ticket, ça n'a rien à voir, les gars, ça n'a rien à voir. Tu as plus de chances de jouer avec le hasard avec 100 tickets et de gagner quelque chose. Si tu peux jouer qu'un seul ticket, ok, tu vas jouer au hasard, mais ça te rapportera une fois sur 100, quoi. C'est ça, les jeux d'argent, les gars. Moi, je mise pas, je mise pas, je peux pas. Hein. Là, c'est pareil, Renault 3, course 5, c'est pareil. Soit 3, 4, 5 en simple et gagnant placé, soit 10, 13, 6, 9. Soit 3, 4, 5 et 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé, voire 2 sur 4. Ou soit A, 6, 2, 7 en couplet gagnant placé, voire trio, voire 2 sur 4. Ou sinon, 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4, couplet placé. Bon, il n'y a que 12 partants, là, tu vois. Bon, bah, 10, 13, 6, 9, tu fais 10, 13, 6, quoi. 10, 6, 9, quoi. 10, 6, 9. Et 15, 9, 12, 5, tu fais 12, 9, 5. Tu vois, ça t'allège déjà ton ticket. Mais bon, c'est des tickets, tu peux tenter sur beaucoup de courses, c'est comme ça. C'est juste, sur beaucoup de courses, c'est comme ça. Beaucoup de courses toute l'année. Hein. Une période de Noël, on était plus favorable, on rapportait plus avec les combinaisons à 6, 2, 4, ou 5, 4, 3, ou 8, 3, 7, 9, ou 10, 5, 13, 15, ou 10, 2, 13, 15. Voilà, faut savoir comment les jouer aussi, tu vois. Si tu sais comment les jouer, tes combinaisons, tu vois, tu vas économiser sur des paris qui sont pas forcément qui rapportent le plus, tu vois. Tu sais que ces paris-là fonctionnent moins, donc ça sert à rien de les jouer. Ils arrivent moins, ils fonctionnent moins, ils arrivent moins, donc ça sert à rien de les jouer, de les tenter. Tu peux tenter une autre formule qui est, on sait que ça fonctionne. 15, 9, 12, 5, la formule 15, 9, 12, 5, on sait qu'elle marche plus en 2 sur 4 couplé placé. 3, 4, 5 et 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé, 3, 4, 5 ou 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4 viennent très rarement en couplé gagnant. Très rarement en couplé placé, très rarement en trio. Et A, 6, 2, 7, par contre, c'est la combinaison qui vient en couplet gagnant placé assez souvent, ou 2 sur 4, voire trio, voire même multi, hein, A, 6, 2, 7. Et ça, tu fais sur 45 courses tous les jours. Voilà. Mais pour choisir laquelle jouer, si t'en joues qu'une, voilà, si tu réfléchis un peu, tu peux en jouer qu'une. Voilà, tu peux miser sur qu'une seulement. De ces combinaisons. Voilà, tu pars dans des modes de calcul, dans un mode de déchiffrage, c'est bon aussi. Le quintet, tu vois, j'ai un autre mode de déchiffrage pour le quintet, c'est un autre mode de déchiffrage. Le quintet, je suis plus sur le mode de déchiffrage, tu vois, aujourd'hui encore à Vincennes, réunion 1 contre 1, donc soit ça fait 11, donc soit une cote autour de 11 contre 1, 10 contre 1, 11 contre 1 ou 12 contre 1. Il y avait le 14 aujourd'hui, ou soit le favori le 16, ou réunion 1 contre 1, ça fait 11, ou soit le 11. Bon, le 11 n'est pas là, il y a le 16 et le 14. Il y a 15, 9, 12, 5, tu vois, ça fait 3 fois le 2 sur 4 au quintet. Voilà. Je te parle du quintet, c'est un déchiffrage exceptionnel, mais c'est vrai que ces combinaisons-là fonctionnent aussi. Ce que je te parle, à 3, 4, 5, 10, 13, 6, 9, à 6, 2, 7 et 15, 9, 12, 5, ça fonctionne aussi sur des quintets aussi. Bien sûr, voilà, il faut te donner un temps de réflexion quand même. Ça te permet de jouer qu'un seul ticket, c'est plus rassurant des fois. Puis ça te fait faire connaissance avec le monde du cheval, avec les écuries, tout ça aussi, c'est bon aussi.
Et beaucoup de courses, c'est comme ça. Voilà, ça fonctionne avec 4 séries de numéros, 3, 4, 5, ou 10, 13, 6, 9, ou 15, 9, 12, 5, ou à 6, 2, 7. Fonctionne comme ça souvent sur beaucoup de courses. Hein. À la période de Noël, à la fin d'année, on avait les numéros 2, 5, 3, As, 2, 5, 3, As, 2, 5, 3, As. Ça peut gagner, placer sur beaucoup de courses à la période de fin d'année. Il y avait le 25 décembre, le 24 décembre, le 25 décembre, le 31 décembre. Tu vois, c'est des numéros 2, 5, 3, As, 2, 5, 3, As, 4. Tu vois, c'est des numéros qui venaient en simple gagnant placé sur beaucoup de courses. C'était la période de fin d'année, le 25, le 24 décembre, le 31. Tu vois, 2, 5, 2, 4, 3, As. C'est des numéros, voilà, qui. On a vu beaucoup en simple gagnant placé à la fin de l'année 2023. Et t'en fais ce que tu veux, c'est un jeu de hasard. Donc le hasard, quand même, il a des liens quelque part, ça a des liens quelque part quand même. On était la période de l'année, les chiffres de la période de l'année, la fin de l'année, c'était le 25 décembre, le 24 décembre, le 31 décembre. Voilà, c'est 2, 5, 2, 4, 3 As, le 1er janvier, l'As. Voilà, c'était les numéros, il fallait être attentif en simple gagnant placé. Là, on recommence une année, donc c'est pareil. 3, 4, 5 en simple gagnant placé, voire 2 sur 4. Ou 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé, ou 2 sur 4. Ou alors As-6, 2, 7 en couplet gagnant placé, voire trio, voire 2 sur 4. Ou sinon 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. Voilà. Comme ça, sur beaucoup de courses, là, on en a jusqu'au 15 juillet. À partir du 15 août, pardon, on en a jusqu'au 15 août. Et on va en manger de ces combinaisons-là sur beaucoup de courses, hein, toute la journée. Hein. On va juste regarder les réunions 3, courses 5, mais on peut regarder toutes les courses de la journée. J'ai même pas envie de déchiffrer ça avec vous, parce que, bon... On va déchiffrer ça ensemble, on va se tuer à donner un pronom, mais je sais que ces combinaisons-là fonctionnent, ces séries de numéros fonctionnent, donc bon. On va essayer de chercher la petite bête parce que je suis avec vous en direct, mais bon. Faut avoir de l'oseille, hein. Pour parier à les jeux d'argent, faut avoir de l'oseille, voilà. Si ton portefeuille est assez large, je te dis, pour accueillir l'argent, voilà. Tu peux aussi miser très fort. Si tu peux miser très fort, tu as plus de chances de gagner que celui-là qui peut miser qu'un seul ticket. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as de quoi miser qu'un seul ticket, là, c'est là qu'il faut te creuser la tête. C'est là qu'il faut chercher vraiment le bon pari à faire. Et ça prend du temps, ça. Ça prend du temps. Il y a des courses plus favorables pour commencer à parier. Il y a des courses plus favorables que d'autres. Les courses à 10 partants sont bonnes pour commencer à parier. Les courses à 5, 6 partants en Super 4 sont bonnes pour commencer à parier. À se faire un portefeuille. Tu ne vas pas commencer à parier sur des courses. Si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas commencer à parier sur des courses à 15, 16 partants. Tu vois, tu as plus de risques de perdre. Donc, ça ne sert à rien de parier là-dessus. Tu peux tenter des courses à 10 partants avec les numéros 10, 5, 2 en simple gagnant placé. Ou alors des combinaisons pour les numéros simple gagnant placé. Pour les courses à 10 partants. Il y a des combinaisons. C'est sur mon TikTok, il y a un post comme ça sur mon TikTok, les gars. Les courses à 10 partants. Ou sinon, j'ai un mode de déchiffrage qui est sympa aussi. C'est, tu fais la balance, tu vois l'aiguille de la balance. L'aiguille de la balance, c'est 6-9, c'est les numéros de l'amour, voilà. Ça représente la journée d'aujourd'hui. Donc tu as 6-9 à 7-8-3, ou alors tu as 6-9 11-12-14, ou alors tu as 6-9 13-10, c'est quoi? 13-10-5, 6-9-13-10-5, voilà. 6-9-4-2, sinon tu as 6-9-4-2, 6-9-7-8-3, 6-9-10-5-13, 6-9-11-12-14-15. Voilà. Le chiffre de la journée, c'est 6-9. L'aiguille de la balance, c'est 6-9. Et
tu vas retrouver les numéros qui vont représenter hier avec 4-2 ou 1-7-8-3 ou 10-13-5 ou 11-12-14-15. Ou sinon, tu représentes 6-9 avec demain, pareil, A7-8-3, 4-2 ou voilà. L'aiguille de la balance. Aujourd'hui, c'est l'amour. Et demain et hier, c'est pareil. 4-2 ou A7-8-3 ou 10-13-5 ou 11-12-14-15. Voilà. C'est un autre mode de déchiffrage. Mais bon, reste avec 3-4-5, 10-13-6-9, c'est déjà pas mal. Reste avec ça, c'est déjà pas mal. 3-4-5 ou 10-13-6-9 ou A6-2-7 ou 15-9-12-5, déjà c'est pas mal. Tu vois l'aiguille de la balance, tu vois, t'as ta balance, tu mets un poids sur ta balance, puis tu mets un autre poids sur l'autre balance pour équilibrer ton aiguille. Donc il y a un poids qui va sur hier et un autre poids qui va sur demain. Tu vois ce que je veux dire pour la balance? Et l'aiguille, tu représentes par 6-9. L'amour, c'est le moment présent. Voilà. Et tu mets un poids sur le côté gauche qui représente hier, et tu mets 6-9 l'amour, et tu fais pour demain ce que tu veux pour demain, avec un autre poids qui peut équilibrer. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je remplace les poids par des numéros. Tu mets 6-9 à 7-8-3 d'hier, ou 6-9 à 7-8-3 de demain, 6-9 à 7-8-4-2 d'hier, ou 6-9 4-2 de demain, ou 6-9 10-13-5 d'hier, ou 6-9 10-13-5 de demain. Tu vois, avec l'aiguille, pour équilibrer l'aiguille, ou 6-9 11-12-14-15 d'hier, 6-9 11-12-14-15 de demain. Et c'est un peu tordu, hein, c'est un peu tordu. Hein. Mais bon, j'aime bien ce mode de déchiffrage aussi. Et je ne sais pas comment les jouer, la formule qu'il faut adopter avec, mais bon. Merci la logo, merci la logo. Merci à toi. Mais déjà, reste avec 3, 4, 5, voilà, 10, 13, 6, 9, et A, 6, 2, 7, et voilà, 15, 9, 12, 5. Déjà, reste avec ça, déjà, c'est déjà pas mal. J'ai du travail à faire pour, voilà, j'aimerais, comme ça, te donner un prono, voilà, sans trop réfléchir, avec l'intuition. Donc, je travaille cette intuition pour donner des pronos, voilà, intéressants. Tu vois, 15, 9, 12, 5, là, bon, on n'avait pas 15 partants, mais il y avait 12, 5, c'est un couplet passé, là, couplet gagnant. Il y avait 3, 4, 5 en simple gagnant passé. Il y a 12, 5 en couplet gagnant. C'est des paris qui fonctionnent. Hein. J'ai regardé pas mal d'arrivées, je me suis dit, voilà, il faut que je repère des numéros qui aiment bien être ensemble et comment les jouer, voilà. C'est pour ça que je crée des combinaisons, j'aime bien. Après, j'ai des modes de déchiffrage, mais bon. Bon, je vais rester là, les gars, ça ne vous intéresse pas. Je vais rester là. Je voulais faire une vidéo, vite fait. Réunion 1, course 3, il y a 10 partants. C'est dû monter, il y a 2200 mètres. Réunion 1, course 3, il y a 10 partants. On fait 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé. On fait 3, 4, 5 en simple gagnant placé. A, 6, 2, 7 en couplet gagnant placé. Ou 9, 5 en 2 sur 4 couplet placé. 15, 12, 9, 5. Bon, il n'y a que 10 partants, donc on fait 9, 5. Quoi. 10, 13, 6, 9, c'est pareil, il n'y a que 10 partants, donc on fait 10, 6, 9. Voilà. Ça résume beaucoup de courses, les gars, beaucoup de courses. C'est dommage qu'on n'a pas la liquidité pour parier comme on veut. On aurait plus de chances de faire des gains. C'est dommage. Moi, je pense que il y a des gens qui sont capables de faire de l'argent avec les jeux de PMU, les jeux de matchs de foot, il y en a, mais la plupart de nous, on n'a pas la liquidité, on n'a pas de quoi tenter. On n'a pas de quoi tenter les plusieurs billets.
Mais je te dis qu'il y en a qui vont bon train, qui sont vraiment bons. Y a des gens qui sont vraiment bons. Bon, j'arrête là. Bisous, l'équipe. Bisous. Bonne journée.